Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler en fait d'un produit qui peut être fort utile dans une trousse de secours. En fait il s'appelle l'Aspivex, c'est une pompe à venin de chez Novodex. Alors, elle se présente comme ceci, cette pompe, qui est vendue d'ailleurs sur notre site internet hein, dans une boîte comme ça, hermétique, avec, je vais vous montrer, quatre types d'embouts en fait, de différentes tailles. Et bien sûr avec une petite notice. Donc, à quoi sert en fait ce produit? Tout simplement, il a été spécialement en fait conçu pour limiter la propagation en fait de venin dans le sang. Alors, il s'utilise, il est très pratique, hein, il s'utilise aussi bien pour des enfants que pour des adultes, voire des personnes âgées. Hein. Donc, on tire comme ceci la pompe, voilà, une fois qu'on s'est fait piquer par exemple par un serpent. Donc c'est valable, donc je disais, morsure de serpent, mais également piqûre de guêpe, piqûre également de méduse par exemple, ou de vive. Donc on choisit l'embout. Alors vous avez quatre types d'embouts hein, qu'on choisit en fonction de la piqûre ou de la morsure. Donc on l'applique comme ceci. Je vais le faire sur moi, c'est facile à utiliser. Donc par exemple, si je me suis fait piquer, hop, par une guêpe, par exemple, donc j'appuie, donc je me mets sur la peau. J'actionne la pompe. Donc pour un enfant, on va jusqu'à la moitié et pour un adulte, on va jusqu'au bout. Hop, voilà, donc ça fait un sort de vide. Je vous montre. Alors, on attend 1 à 3 minutes en fonction en fait, de la piqûre ou de la morsure. Vous avez en fait les temps indiqués sur la notice d'utilisation. Voilà, on attend donc le temps indiqué. Et ensuite, voilà, avec le pouce, voilà, on retire la pompe. Voilà, on n'a plus qu'à ensuite tout simplement désinfecter en fait la plaie. Alors, je vous dis, ça c'est un geste de premier secours. C'est-à-dire que si jamais, bien sûr, vous êtes fait mordre par un serpent, il faut quand même aller aux urgences par mesure de précaution. Mais bon, ça peut aider éventuellement donc à sauver une vie. Donc voilà, très très utile. Vous avez vu donc le produit, voilà, il est bien sûr pas périssable. Il se nettoie facilement, donc les petites ventouses à l'eau et au savon. Et puis, ben, la ventouse, par contre, il faut éviter de la mettre sous l'eau hein, pour ne pas en fait endommager le mécanisme. Facile à ranger et surtout très peu encombrant. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir en plus ce produit. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée sur beautélagoon.com.